Hello les amis, aujourd'hui petite virée du côté du sanctuaire des éléphants que je propose tout au long de la saison quand vous venez sur Phuket. Et donc ça faisait un petit moment depuis le Covid que j'étais pas venu mettre les pieds ici. En fait, on va aller voir là carrément le programme que je vous propose à la journée. Vous avez le repas, vous avez la douche sur place, vous avez tout quoi en fait. Voilà, ici, vous voyez, l'éléphant, il est tranquille, il se promène. Il est passé à côté de moi, il m'a même pas calculé. Voilà. Donc c'est là où vous allez prendre vos repas. Ici, où vous allez vous changer avant de partir en visite. C'est ici. Les toilettes. Voilà, pour aller vous laver les mains juste avant de commencer la visite. Je crois qu'il a décidé d'aller se baigner. Donc on va voir. Mais je pense qu'il va se diriger. Il va se diriger vers là. En fait. Ah. Allumer le jet, la vette. Il avait soif. Ah bah beau. Tu viens d'être nettoyé et t'es tout sale maintenant. Et voilà, qu'est-ce que je disais, mon ami partout. Thank you.
c'est beau aussi. C'est magnifique. The lowering round. Hello. Hello. Only you last time than before? I did it in Shanghai. Yeah. Only you? Et voilà, le clou final, la petite douce qui va bien, pour les rincer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite balade. Il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont créé une fondation. Et 20% de ce que vous leur donnez, ça va à cette fondation pour prendre soin des éléphants et s'occuper d'eux, quoi. Il faut pouvoir les nourrir, les soigner, tout le terrain, tout ça, c'est des choses qu'il faut prévoir, quoi, de l'argent. Et il n'y a que vous, on l'a vu pendant le Covid, je le rappelle, qui pouvait amener cet argent-là, vraiment, en nombre, pour qu'ils continuent aussi dans leur but de venir en aide aux éléphants, bah, qui ont besoin d'aide, quoi. Et donc, justement, ils ont créé cette fondation-là, qui est importante. Vous voyez, je vais le développer sur le site internet, je vais bien le noter. Et j'ai toutes les infos. Cette vidéo-là, il va se passer quelques jours, bah, une semaine ou deux, parce que j'en ai deux autres à monter de Corok. Tout, voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.